Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette vidéo compilation de succès Forge de Magie. Bon visionnage. 87 de puits pour ce PM. Il va falloir faire un over. Il va falloir faire un petit over Vita. C'est parti. Moins 20. Qu'on va enlever avec une récré par exemple. Voilà, moins 11, parfait. J'espérais que ça ne me fasse pas un moins 10. La force et la J, ok, là c'est des valeurs qui m'arrangent pas mal. Parce qu'en fait ça me permet d'aller chercher du 50 sur les deux lignes et après d'aller à la Ra qui passe quand même mieux que les pas quand on approche les 60. Moins 12 ici. Et là, vous voyez, on a moins 10. Moins 30. C'est correct. Ensuite, les deux neutres. Moins 5. Et on a donc 20 de puits. Alors là, pareil, je pourrais tenter. Bah, je peux tenter du crit au. Si j'ai deux crits là-dessus, je gagne des tentas. Mais dès que j'ai un échec, je perds une tenta. Ah bah voilà, j'ai un crit. Nickel, voilà, ça c'est cas d'école, exactement ce qu'il faut faire, nickel, parfait. Ah non, pardon, il m'en faut encore un. J'ai rien dit, il m'en faut encore un, donc en fait là c'est plus possible. Parce que sinon je peux monter à 4 et neutre et ça me ferait un double exo en passant l'exorèse. Et ça c'est pas ce qu'on veut. Donc on va partir sur 3 tentats, c'est pas grave. Ok, on a 2%, c'est pas mal. Et on a le PM, bah écoutez, plutôt chill, petit G. On a la sagesse qui est à 38, mais c'est quand même très propre, hein. On a 350, 60, 60. Et bah ça va très gentiment partir en HDV. Plutôt plaisant, bah c'est joli, un G comme ça fait toujours plaisir à voir. Bon, alors là, j'étais en train de remonter l'item un petit peu à l'arrache, étant donné qu'il s'était fait massacrer par les échecs critiques juste avant. On a le PA qui tombe là-dessus, ça va être assez dur à exploiter, mais bon, on va tester, hein. On n'est pas du genre à se laisser impressionner par ça, donc c'est parti. Moins 20 pour la Vita, on a un petit problème de res R à 2%, là on va quand même la monter un peu. Ok, on a moins 12. La force, on va y aller. Sur la rafo, ok, j'aurais aimé que ça passe un peu mieux que ça. Là, ça m'a pris très cher. Je dois avoir de la pas innée ici. Il n'y a rien qui pèse 3, hein, non. Hop. Oh, mais en fait, on aura quand même quelques petites tentas, probablement. Moins 4. Ok, on a du crit, là, ça fait plaisir. Hein, le moral remonte. Nickel. On a 32. Qu'est-ce qu'on fait avec 32? On va faire. Alors, je pourrais y aller sur de la pavie. Je pourrais faire par exemple 4 pavies de ravi. Ou alors. Ouais, on va revenir un peu sur les res. L'overview time m'a saoulé. Bon, j'ai deux en rab, mais j'en fais rien. Je pourrais intenter des succès crit sur les res fixes. Mais bon, ça a tellement peu de chances de passer. 5 tentats, c'est parti. Ok, 1%, est-ce qu'on a le PA? On a le PA. Bah écoutez, c'est pas le jeu du siècle, mais c'était juste pour avoir le plaisir de se faire un petit peu ces abominables, avec toujours l'espoir d'avoir un énorme truc qui sort, mais bon, c'est toujours plaisant à faire. Le PA est tombé, on a 93 depuis. On va pouvoir faire quelque chose d'un petit peu osé ici. Alors déjà, on va atteindre. J'allais dire, on va atteindre le GPerf, mais non, en fait, on est à 230, ça m'arrange pas trop. On va aller chercher le GPerf, si. On va aller chercher le GPerf. On va y aller. Alors là, j'ai deux options. C'est soit j'y vais à la pavie, auquel cas ça me monte avec un mini over. Je vais y aller à la ravie en fait. Non, je vais y aller à la pavie. À la pavie, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moins 18, sachant que ça c'est des fois ce qu'il me faut pour en passer une, donc ça va, je m'en sors pas mal. En fait, je disais qu'on a 30 sagesse, on va tout faire le FM en laissant la sagesse à 30 et on va essayer de terminer par un crit à la Rasa, ça pourrait être un peu drôle. J'espère que je vais avoir moins 5 et pas moins 6. Ok, je suis un peu deg, c'est pas grave. On a un moins 2 ici, bon bah du coup on n'est pas sur du perf, c'est un peu triste. Allez, painé, 1, 2, 3, moins 9, que j'enlève. À la res fixe. Tac. Le petit 2R qui crit. On est tout bon, plus que la sagesse. Allez, Rasa, c'est parti. Moins 30. Ça pique un peu, mais c'est pas grave.
34 de puits restants. Bah là, je peux rien faire pour la vie. Donc, on va essayer un crit là-dessus. Non. Donc, on est sur 5 Tantarès. Hop. On a 2%. C'est sympa. Est-ce qu'on a le PA? On a le PA. Bah écoutez, très chill, hein, très chill comme FM. Vraiment tranquille. Juste pour le plaisir de faire ce petit item sympathique. On a quand même un G qui est très beau. Hein. On est sur du perf, sagesse, intel, agi. Il nous manque un de vita. Je suis en train de me dire là, en fait, juste que j'aurais peut-être pu partir sur un over vita, ce qui nous aurait fait un G qui serait vraiment perf. On pourrait considérer que ce serait du perf over vita. Mais il y a aussi le petit côté que ça fait plaisir d'avoir les lignes exo qui sont en bleu. Hein. On est tous forgés mages, on le sait qu'on aime ça. Et que voilà, un exo 2% res, c'est un peu plus joli visuellement que. Qu'un over vita, parce que l'over vita, voilà, ça saute pas aux yeux de la même manière. 94 de puits pour ce PA. Là, on a un G superbe. On va tomber en fait sur du perf direct. Ça, c'est une bonne nouvelle. On a double crit là-dessus. On va garder la vie. Non, en fait, on va la faire tout de suite, la vie, juste après. Moins 18. Moins 10, et ça part vraiment bien là. On a quelque chose de très sympathique. Moins 10 à nouveau. On a donc 56 de puits. Bon, je pourrais tenter les succès à la rune Ré-neutre. Allez, je vais le faire, on veut faire les choses bien. Mais j'ai absolument aucune, voilà, aucun espoir que ça passe. Donc 54, on est à 9 tantas. Et on peut sortir du beau gel, hein. On a quand même un magnifique G-Perf. Si le jeu nous respecte et qu'on a des restes qui passent quand même. Ok, 2%. Est-ce qu'on a le PA? On a le PA. Eh bien écoutez, c'est très beau, hein. C'est très très beau. Le PA est tombé, on a 94 de puits. On va faire cette fois-ci un over vita parce que là on aura du G-Perf à l'exception de la vitalité. On va tomber dessus assez facilement d'ailleurs, ce qui laissera peut-être la place à une belle tentative. Si on pouvait atteindre du 504 de vie, ce serait génial. Hein. Laissons-nous rêver un petit peu. Ok, on a du crit là-dessus. Une, deux et trois. Et ça se présente vraiment très bien pour nous ici. 79 de puits. Alors je vais vérifier si j'avais pas une petite chance d'avoir du puits avant. Bon, à en juger par la ligne, enfin la tête des lignes que j'ai, j'en doute vraiment, mais sait-on jamais. Là j'avais 3. Bah là, non, c'est impossible qu'il m'en reste. Non, j'ai plus de puits. Donc 79. Je vais laisser 9 de puits en stand-by. Je pourrais mettre 3 pavis et 7 ravis, mais en fait j'ai peur que j'ai moins de chances de. Enfin, dans l'hypothèse où je passerais 3 ravis, si je mettais des pavis, ça m'empêcherait d'atteindre le 504 de vita. Alors qu'en y allant comme ça, j'ai une faible chance d'avoir les 504. Et si j'avais les 504, ce serait génial. Donc on va être joueur. En fait, je dis ça, mais je peux. Enfin, vous avez compris le raisonnement. Du coup, la pavie n'est pas adaptée, mais je peux quand même tenter de ligny pour essayer de crit et de gagner une tenta. On va voir ce que ça donne. Je peux aller jusqu'à 10, hein. Moins 1, c'est mort. C'est mort. Donc 7 ravis. Voilà, on a essayé, hein, pas de regret. Est-ce qu'on a un truc énorme qui sort? Oh, j'y crois presque. J'y crois presque. 454 de vita, c'est quand même pas mal. Est-ce qu'on a le PA? On a le PA. Oh! On a 96 depuis sur ce PA qui est tombé. On a les 40 sagesse, donc on pourra aller chercher du GPR. Donc on va garder la vita pour la fin, pour partir sur de l'over vita. En plus, la valeur s'y prête plutôt bien. Donc bah, on n'a plus qu'à remonter les différentes runes. On va y aller par ordre croissant depuis, tout simplement. Moins 12 pour la chance. Je vais remonter les dos haut. Moins 5. Je vais garder l'attaque pour les passer en patac, en fait, tout simplement. Moins 6 pour les res neutres. Alors pour l'instant, ça se présente vraiment bien. La patac qui passe, moins 12. Ce qui nous fait 61 de puits restants. Eh bien, c'est parfait. Je vérifie que je n'ai pas oublié bêtement une ligne. Tout va bien. On a donc une tentative
qui peut éventuellement faire un succès crit, hein, c'est très rare. Ce qui nous laisse donc 60 de puits restants, soit 6 ravis. Ok, on a eu un crit. On a une tentade plus. Qui ne passe pas, est-ce qu'on a le PA? On a le PA. 94 de puits sur cette tenta, qui est quand même pas trop mal. On a la J à 80, donc on n'aura pas à s'embêter avec ça. Il y aura juste la vitalité à gérer, mais c'est pas trop problématique. Je pense que je vais y aller bah, tranquillement. Allez, on va y aller sur la Vita, et on va enlever l'over, et on partira en raise. Donc, moins 10. Est-ce que j'ai un truc qui pèse 3? Non, pas vraiment. Je vais y aller à l'achat. En fait, si je fais une pacha, j'ai peur d'avoir un moins 15 et que je sois embêté. Donc avec 3 runes chats, si j'ai plus de chances de sortir un moins 6 dans l'histoire. Voilà. C'est QFD. Bon, je suis à 349 du coup, mais je m'en sors pas trop mal. Allez, la petite 13 là, qui crit. La pado, qui crit. Bah décidément, on se met bien aujourd'hui. 84. 84, on a même plus 2 de la chance. On peut considérer qu'on a un 86. Ça nous fait une grosse grosse tenta là. Hein. On a combien de raises? On a 14,3. Je pourrais tenter les crits chat, mais. Allez, je vais le faire. Hein. Si j'ai écrit chat et écrit pas chat, je gagne une tenta, mais soyons fous. Voilà, bon, allez, je considère que c'est mort. Donc 14 tentas. 14 tentas, c'est rare d'en avoir autant sur un item comme ça. Ça, c'est grâce au double pu PAPO, hein, bien sûr. Allez, est-ce qu'on sort un 4%? J'ai jamais eu de 4% là-dessus, ce serait peut-être l'occasion. 3%. Bon, c'est déjà très beau. Est-ce qu'on a le PA? On a le PA. Est-ce qu'on a le PO? Ça me ferait vraiment plaisir qu'on l'ait. Quel dommage. Du coup, j'étais à... Je devais avoir un de puits restant, puisque j'ai tapé 1 avec la chat, donc j'avais 1, à mon avis, quand j'ai repassé le PA. Donc, plus 18, plus 100, moins 51. Je doute d'avoir 167 de puits, j'ai dû me louper sur la calculette, on va refaire. Donc, j'avais 1, plus 18, plus 100, moins 51. 68 de puits, donc sur le jet qui reste très soigné, donc on enchaîne, on a à nouveau une tenta dessus. J'ai 2 de puits en rab, j'en ferai rien, à nouveau. Je pourrais tenter, hein. Allez, on va vraiment faire les choses comme en théorie, comment il faudrait le faire, c'est-à-dire que je pourrais tenter d'avoir double succès crit sur l'arrêt neutre, j'ai pas. Donc, 11 tenta res R. Hop, allez, 1, 2... Ce sera 2. Est-ce qu'on a le PA? On a le PA. 92 de puits sur ce PA qui est tombé. On a le... On va avoir un GPR là-dessus, puisqu'on a la sagesse à 40, et on a une vitalité qui est congrue à 50 modules au 2. Je sais que mes congruences vous plaisent beaucoup. Donc on va commencer par un over... on va commencer par un over AJ, histoire d'aller chercher le 80. Moins 10. Ok, on a du crit, c'est plutôt cool. On va enlever... L'agit avec une rune pavie. Ne vous inquiétez pas, j'utilise une pavie en étant conscient de ce que je fais. Bon, c'est pas passé, c'est dommage. Ok, on a un crit là-dessus, pourquoi pas. Si je veux une pavie, c'est pour avoir, c'est pour monter en fait à 363 de vita et l'enlever avec une rune pod, tout simplement. Donc, on a moins 1. On a moins 10. Petites rune pod qui sont toujours prêtes à être utilisées. On a moins 13, et là vous voyez que il nous reste 81 de puits, et on est allé chercher le GPRF. Voilà, petite technique pour aller chercher du GPRF. Ensuite, l'appât d'OR, oui, l'appât d'OR. On me dit dans le chat que je me suis trompé dans le comptage de puits, moi je vais recompter dans ce cas. Alors, moi je pensais que j'étais bon, mais tout le monde me dit... Ah, c'est intéressant d'avoir le chat en direct. Hein. Bon, on a du GPRF, il nous reste du puits, maintenant on va redéterminer on avait combien. Donc j'avais 92 à la base, puisque j'avais 6... enfin, la... Ah oui, c'est déjà c'est 6 d'AJ, je crois que je l'ai mal compté celui-là. Je reprends. On avait 106. On a moins 9 de la sagesse. On a ensuite ici moins 10 pour l'AJ. Là, je ne perds rien. Là, je ne perds rien. Là non plus. Là, j'ai moins 1.
Là, j'ai moins 10. Et là, j'ai moins 30. Donc, 46 restants. J'avais oublié le 1 sur la calculette. Bon, merci à vous de me l'avoir fait remarquer. Vous êtes vraiment au top. On a donc 46 depuis. Eh bien, écoutez, on peut tenter un crit à la rune Reineutre pour gagner une tenta. Est-ce qu'on a un crit? On a un crit. Eh bien, parfait. Et ça, c'est la tenta qui se passe à merveille. On ne peut pas faire mieux en termes de cas d'école. C'est vraiment un cours de forge magie à part entière. On a vraiment vu plein de choses vraiment sympas là. Donc, on gagne une tenta, ce qui veut dire qu'on a. On a 8 tentas res R. 8 tentas res R, c'est parti. Combien passe? Ok, on a eu un crit. En plus, on a un crit sur la res R. Très sympathique. Normalement, si tout est bon, il nous en reste une. Ok, est-ce qu'on a le PA? On a le PA. Les amis, je crois que de toute mon expérience de forge mage, j'ai jamais eu autant de choses intéressantes et plaisantes sur une tentative sur un puits PA. Je suis content de l'avoir partagé avec vous. On est sur un jet magnifique, exo 2% res-air et qui s'est passé à merveille. Bon, bah alors là, je suis un peu perplexe. En fait, j'étais en train de remonter mon jet tranquille jusqu'au moment où je me suis dit, bah en fait, il me reste plus grand-chose à retoucher sur l'item. J'étais encore dans l'optique de le faire avec le PO enlevé pour le remettre à la fin en crit. J'étais à 79 d'agi, je me suis dit, bon bah allez, je tente de le mettre à 89, comme ça va casser les lignes, ça a crit. J'avais crit l'appât d'OR avant, donc vous voyez, j'ai un crit à l'appât d'O, un crit à la rage. Et puis je me suis dit, bah, en fait j'ai un G presque perf over agi, je tente le PO, c'est passé en crit. Enfin bref, j'ai fait ce G sans puits quoi. Un peu improbable, et du coup je suis presque embêté parce que je sais pas trop quoi en faire. 91 de puits sur ce PA qui vient de tomber. On va laisser de l'initiative comme ça. On va tranquillement remonter les petites lignes. Allez, les restes fixes. Moins 2 ici, moins 4. L'arrêt perfeu. Moins 6. L'appât puits. Qui crit. L'appât ça. Moins 18. Ce qui nous fait 63 de puits, donc une pavie et 3 et 6 ravis, pardon. Alors on en a une. On en a une. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On a le PA. 98 de puits sur ce PA qui vient de tomber ici. Alors on n'a pas l'invoque, donc on va terminer par le double succès crit, ce qui peut donner des choses potentiellement stylées. On va passer la chance. J'ai presque envie de monter à 70 comme ça en fait, mais non, là ce serait débile, je pense. On va plutôt y aller à 71, puis 81, et enlever l'over comme on peut. Moins 20. Ok, je suis en train de me rendre compte que j'ai pas les ravis en stock. On va aller fusionner ça tout de suite. Ravis, hop. Bon, je vais en faire 80 parce que j'arrête pas d'en crafter depuis tout à l'heure. En fait, c'est un petit peu frustrant. Ok. Je disais donc, il nous reste 72 de puits, on va mettre les petites ravis. Oh, ça passe vraiment bien. Moins 10, 62 de puits restants. On va mettre 10 repères. Je pourrais tenter, hein, tenter le double succès crit Reineutre, mais bon, je vous avouerai que comme de toute façon le PA ne passe pas, je ne suis pas sûr que ce soit très pertinent. On est donc là sur du 2. 2%. Est-ce qu'on a l'invoque déjà? On a l'invoque. Est-ce qu'on a le PA? On a le PA. Et bien enfin, il se passe quelque chose. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner, sachez que je suis attentif à organiser mes vidéos en playlist thématique que vous trouverez facilement sur ma chaîne. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, le lien est en description. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et à bientôt. Mais voilà, je pense vraiment qu'on aurait pu en choper une de plus. Alors 2%, 3%,
4%, oh 4%, on est sur un super, une super tentative, j'en ai encore une. Ça passe bien, mais je pense que je suis à peu près tranquille. Ok, est-ce qu'on a encore une tentative à 4%? Oh! Les amis, deuxième chance. Deuxième chance. Alors, je vais faire le mec qui s'est pas trompé dans le comptage depuis, et je vais tenter le 5%. Peut-être que je vais le regretter en foirant le truc. Mais je suis à peu près sûr de mon calcul. On va voir ça très vite. Alors, 1%. 2%. 3%. Comment? On a un beau truc qui sort. Est-ce que ce sera maintenant? Ça commence mal, a priori. Ok, oh. 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 Oh là là. Bon, cette fois-ci, j'ai bien compté le pionnet, d'accord. Hein. Pas de blague, hein. Pas de blagounette. Hein. Troisième tentative à 4%. Décidément, sur cet item, il se passe des choses. Et les deux premières que j'avais, c'était sur du 348 Vita. Et là, on est à 350 Vita. Donc, j'ai même une meilleure tentative que celle que j'avais avant. Je vais prendre un petit moment pour le contempler, si vous voulez bien, parce que je sais que ça passera pas, je connais le jeu. Est-ce que j'ai passé la dernière en plus? Attendez, j'ai un doute, j'en avais 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Normalement, j'en ai encore une. J'en ai encore une, mais la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai flingué un G. On va recompter, hein. On va tout refaire, parce que là, on est quand même sur du gros G, ça mérite qu'on prenne le temps de recompter. Alors, on était ici à 94. Là, il n'y a pas de doute. Là, on a moins 10. Sur là, on a 84 ici. Là, j'ai pas perdu de puits. Et là, donc, j'étais à 84. Et on est bien à 14 tentatives, on est d'accord. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Il nous en reste une. Est-ce que on se chope une petite tenta à 5%? Allez, allez, on fait ça ensemble. Non, bon, c'est pas grave. C'est le PA de toute façon qui va tout déterminer.